attendez, je voudrais parler une seconde parce que ça, si j'ai un truc à dire, parce que ça fait quand même 10 minutes qu'on parle de moi, donc je te demande juste de pouvoir répondre. Ok, tu parles après le casse. Ok, si tu veux, je vais parler, puis après je me casse, donc je vais pas être long. Personne ici avait l'intention que ça dégénère. Ni moi, ni Teddy, ni Seb non plus, ni Michel. Personne avait l'intention que ça se passe comme ça. On est parti à cette réunion archi confiant et tout le monde le sait très bien. On s'est pas levé en se levant le matin en voulant que ça se passe comme ça. Et puis voilà, ça a dérapé. Si on était resté unis, ça se serait pas passé comme ça. Moi je vais vous dire un truc, on s'était promis qu'on lutterait contre la destruction de cette usine, de ce groupe, et qu'on conserverait notre boulot. On s'était promis. Moi les mecs en face, hein, ils sont comme nous, hein. Ils sont pas toujours d'accord, ils se disputent parfois. Sauf que quand il s'agit de défendre leurs intérêts, ils sont comme ça, ils savent le défendre leur pognon. Et avec des gens comme vous en face, ils sont tranquilles, hein. Thomas, te barre pas comme un voleur, j'ai deux mots à te dire. Ouais. Il y a trois zigotos qui ont visité l'ancienne école cette nuit, ça te dit quelque chose? Quoi? Des zigots quoi? Des petits crétins. Bah non, qu'est-ce que j'en sais? Je sais pas, vous étiez pas trois quand vous avez tagué en bleu les moutons du Père Lachenal? Ah si, ouais, ça c'est nous ça. Bon, c'était con, hein. Ouais. Mais ça fait pas de nous des voleurs. Le fait qu'on soit trois, je crois pas que ce soit une preuve. Non, mais c'est une piste. Montre-moi ta semelle. Quoi? Montre-moi ta semelle, je te dis. Si vous voulez. Pourquoi t'as fait ça? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux en fait? J'ai compris que t'as mauvaise conscience. Et que si t'as fait ça, c'est que tu m'aimes pas. Tu m'as jamais aimé. Mais Thomas... Mais juste, t'aurais pu au moins m'écrire ou me téléphoner. Mais je t'ai téléphoné. J'ai écrit des lettres et des dizaines... J'ai pas eu de lettres. Arrête de mentir. Retourne avec tes moutons en Nouvelle-Zélande.